feuilles dans le vent. Pour ce niveau, on a plusieurs trilles à réaliser. On se rappelle bien qu'un tri, c'est la note écrite qu'on veut entendre avec un battement rapide, avec la note du dessus. Mon morceau, il commence par un Fa. Ma note au-dessus de Fa, c'est Sol. Je vais faire un battement rapide entre Fa et Sol. Ensuite, Sol La, Fa Sol, Mi Fa. On peut déjà s'entraîner pour bien comprendre quel doigt bouger lentement. On ne fait pas vraiment un tri, on fait des battements, mais lentement, comme ça. Le but, ce n'est pas vraiment de faire le rythme, c'est juste de comprendre l'enchaînement des doigts. Entraîne-toi plusieurs fois à faire ces battements, pas très très rapidement, non seulement pour avoir les automatismes dans les doigts, mais aussi pour les garder près des clés, les doigts. On fait une fois ensemble avec le rythme, mais des battements vraiment pas rapides. Da-di-da-di-da-di-da-di-da, comme ça. 3, 4. Donc il faut vraiment avoir dès le début le bon doigté. Si tu n'es pas sûr de toi, tu peux aussi travailler en commençant sans faire de trille, puis en faisant le battement à la fin de la note, comme ça. Donc je garde bien ma note qui est écrite et ensuite, quand j'ai réfléchi à quel doigt devait bouger pour faire la note qui est au-dessus, je commence à trier. On fait une fois comme ça ensemble. 3, 4. Bien, si tu arrives à faire ça, tu peux essayer de jouer le défi en entier. Attention, on commence pas directement en triant le plus vite possible et on fait pas la même chose jusqu'à la fin parce que c'est pas très joli. On commence un peu plus doucement et on tient sa note un petit peu à la fin sans trier, sans faire le battement pour qu'on entende bien la note qui est écrite. L'important, c'est pas le tri. Le tri, il est là pour ornementer, pour faire joli. L'important, c'est la note qui est écrite. Donc, mon Fa, la première note, je ne vais pas faire comme ça. C'est pas très joli, ça fait un peu robot. Donc, je vais vraiment essayer de faire entendre plus le Fa. Tu as vu? Je prends un temps au début, je trie, et à la fin, je ne trie plus et on entend toujours le Fa. D'accord? Donc essaye de t'entraîner à faire plus entendre la note qui est écrite que le tri. C'est vraiment important. Toujours les doigts près des clés. À toi de jouer!